le lac de Côme avec ses eaux calmes et sa végétation luxuriante. Ce lac est une véritable destination de rêve. Que ce soit pour une sortie romantique du style Roméo et Juliette ou un week-end d'évasion, ou encore un séjour prolongé, au bord de ce lac, vous êtes juste à la bonne destination. Rien dans l'univers ne peut égaler le charme de ces jours brûlants passés au bord du Lake Como. Si vous êtes aussi un amoureux de la nature, suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons vous faire découvrir les demeures d'exception où poser vos valises, une fois que vous serez à bord du lac de Côme en Italie. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors faites-le sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Luxy. La Villa Erba est située dans le chic village Tchernobyl. Construite dans les 19 siècles par Luigi Erba, cette villa est un palais néo-renaissance et un parc de 10 hectares qui ressort un paysage très séduisant. Elle est l'une des villas les plus luxueuses du Lake Como, très connue pour sa grande architecture et ses intérieurs somptueux. Cet endroit vous éblouira par ses plafonds ornés, son décor doré, ses jardins élégants qui offrent une belle vue sur le lac. Cette villa représente un cadre idéal pour vos cérémonies de mariage, pour offrir à vos invités un dîner ou un cocktail en plein air. Pour la danse, elle dispose d'un grand hall d'accueil avec des pièces adjacentes toutes connectées au jardin. Toujours dans les périphériques du lac de Côme se trouve la Villa Laglio. Cette villa historique retrouvée dans le charmant village de Laglio contient des ornements et des fresques originaux qui en font un décor à couper le souffle. En dehors de la vue étendue qu'elle offre sur le lac, cette villa conserve son charme original, tout en ajoutant des touches modernes de haute qualité. À l'entrée de la Villa Laglio, un grand hall vous accueille au rez-de-chaussée. Il vous mène au grand et impressionnant salon de cette maison. Les plafonds décorés, les sols marbrés vous emportent au cœur du luxe. Elle inclut aussi une large piscine, une grande pelouse, de beaux jardins, avec plusieurs options de restauration en plein air. Avec son style renaissance, ce logement s'ouvre sur un complexe de plusieurs chambres, à la décoration sophistiquée. Utilisée par Tolomeo Gallio, elle est l'une des villas du XVIe siècle. Située dans le centre historique de Menaggio, cette pièce de 1721 a été entièrement rénovée par Jacques Garcia. Il y a laissé un décor opulent caractérisé par 6 suites très luxueuses. Cette villa inclut des salles de bain marbrées, une grande piscine externe, des plafonds bien décorés. Pour un déjeuner inoubliable, rendez-vous dans la salle à manger de la Villa Balbianello. Quand la bonne saveur du plat s'associe au décor prestigieux de cette villa, on n'a juste pas envie de quitter le lac Como. La Villa Sola Galbiati est un véritable chef-d'œuvre artistique construit au XVIe siècle. Cette villa est une propriété privée de Cerbelloni Dux. Elle est composée de stucs et fresques raffinées qui ornent chaque pièce. Peintures, vases de majolique ou porcelaine, incroyable collection de tapisseries sont quelques traits de cette villa qui nous transporte dans un temps où l'extravagance n'a pas de limite. Le luxe de cette villa se lit à travers son jardin fleuri à l'italienne et très parfumé. La Villa Sola Galbiati est un cadre idéal pour passer de bons moments en amoureux. Il s'agit d'une propriété de la famille Boucher, transformée en un luxueux hôtel 5 étoiles. Cette villa se dresse à l'extrémité du promontoire de Bellagio, avec un impressionnant décor. Elle est caractérisée par des plafonds ornés de fresques et des escaliers bien conçus. Elle dispose d'un grand hall orné de splendides lustres en verre de Murano. Pour un séjour, elle vous accueille dans ses élégantes chambres et vous offre une terrasse raffinée pour un dîner sophistiqué. Ce sont donc les villas les plus luxueuses du lac de Côme. Laquelle de ces villas est votre favorite pour un séjour? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.